Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et aujourd'hui, grâce à NetProf, vous allez apprendre à faire un nœud de cabestan. Ce nœud est très utilisé dans la marine et peut permettre de suspendre un objet à une partie fixe, comme à une corde ou alors un morceau de bois. Pour le faire, vous aurez besoin bien évidemment d'une corde et aussi d'un morceau fixe. C'est très simple à faire, vous n'avez qu'à regarder comment le faire et après ça viendra tout seul. D'abord, il va falloir faire un tour autour de votre partie fixe, qui sera, dans notre cas, le morceau de bois, de cette manière. Et après, il va y avoir une sorte de bague qui va permettre d'effectuer le serrage de ce nœud-là. Cette bague, vous la prendrez, vous la ferez en passant le bout au-dessus. Vous repassez derrière votre partie fixe et vous re-rentrez dans cette bague que nous venons de faire. En serrant petit à petit, vous allez vous rendre compte que le nœud prend forme. Et que nous avons beau tirer sur cette partie-là, le nœud ne glisse pas et la fixation est effectuée. Je vais refaire plus doucement pour que vous appreniez à le faire et je vais rajouter une petite astuce pour que vous soyez sûr que cela s'est bien fixé. Donc nous passons par-dessus. Nous effectuons la bague qui va nous servir à bien fixer. Et nous nous rendons compte, cette fois-ci, que nous avons une partie encore un peu souple. Eh bien, cette partie-là peut nous servir à assurer notre nœud en rajoutant ce qu'on appelle une demi-clé et en la serrant bien, ce qui fait que nous sommes sûrs que notre nœud ne bougera pas. Dans lequel nous avons un objet suspendu à ce fil et cette partie, la partie fixe, nous voyons bien que cela ne bouge pas. Merci d'avoir suivi le nœud de cabestan. Et puis à bientôt.